330, il a effectivement une bonne pente. Alors pour la peine et décollage, tu vois, t'arrives 250 pieds, ouais. 300 pieds, tu vois, tu peux choper là, ici, la piste là, tu vois, ouais. Le vert qui est là. C'est possible. Tu vois ce que je veux dire? En cas de panne. Ah, en cas de panne, tu veux dire, ouais. tu peux faire ton virage oh, et... tranquille, pépère, tu viens rejoindre l'entrée de la principale. Je rentre en grande volée, je coupe la pompe électrique et je coupe les phares. Ok. Allez, t'es vite voir, surtout. Ouais, d'un coup, je pars directement là-bas. Oh ouais, tu passes direction le château là-bas. Ouais, ouais, c'était la grande question sur une panne au décollage sur la trempe gauche. Où elle est? Et c'est vrai que quand t'es bas, où elle est? Ouais, et 250, du coup, t'as le temps de... À 300 pieds, avec un petit virage tranquille ou pépère à 15-20 degrés, tu vois. Ouais. Un petit bas, en finesse. Tranquillement, ça passe. Tiens, c'est mon bâtiment là-bas. Septéo. Je te disais l'autre jour, le truc noir, tu sais, qui fait un peu un ovale. Hein? Je sais pas si tu le vois, après le rond-point. Attends, attention, on va voir. Ah oui, plus sur le château d'eau. D'attendre Whisky quand même. 2000 direct, ok. Bon, de toute façon, tu vas y être à Whisky. Hein. Oui, oui, oui. Ça va faire à peu près ça. À 500 000 minutes. Comme ça, tu... Ah bah, tu donnes un secteur. Ce qui se passe, c'est que bon, c'est un truc que tu dois préparer un petit peu à l'avance. Ton intention propre, que tu la donnes, ouais. Tu la prépares, et tu peux être très évasif. Hein. Tu peux dire, bon, par exemple, tu fais une triangulaire, d'accord, entre Pesnas-Clermont, dans le secteur Pesnas-Clermont-Léraud, et sur une tranche d'altitude entre 1500 et 2000. D'accord, par exemple, ok. Tu peux dire ça. Voilà, 2000 pieds paliers. Foxy Copper Power Rayton is approved after the touch and contact the tower 118.775, oui. Moi, c'est ce que je fais souvent, je dis secteur Clermont-Léraud, secteur Montagnac, secteur, tu vois, avec une tranche d'altitude. Okay. Et puis tu diras, par suite, je risque de me reporter vers tel endroit. Voilà, c'est tout. Okay. Le principal, si tu veux, pour le contrôleur, c'est qu'il voit globalement dans quel secteur tu es. Bon, la peine de lui donner des itinéraires bien précis. Là, je suis vertical Whisky, donc je m'oriente sur mon cap 260. Tout à fait. Avec un... Hop. Un giro. Sorry, contacting tower 118.775. Et pourquoi je monte là? Fox Bravo Québec, donc confirmé, ce sera pour des tours de piste en front gauche. Juste un toucher en front gauche, Fox Bravo Québec. Un toucher, d'accord, rien monté. Bon, d'accord. Tu mets un petit peu moins de gaz. Ah, recul, bon, Québec, et tu essaies de rattraper un petit peu. Alors, ne fais pas les montagnes russes. Petit vario, 100-200 pieds minutes, pas plus. Hein. Ah, mais...
Je veux deux fois stopper la montée à 2 minutes pieds cause départ d'un commercial, je vous rappelle pour vous. Avec les thermiques, c'est ça qui est bien l'été. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu prends de l'altitude et ça te permet, si tu veux, de mettre un petit peu de plongée à l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pendant que lui, il te monte, toi, tu descends. Donc, tu prends de la vitesse. Ouais, quand même, hein. Oh, oui, ouais, ouais, que... t'es un petit peu, ouais, tu thermiques. Thermique tranquille. Bravo Québec, quelle attitude souhaiterez-vous pour le retour sur Pantillon? 7 000 pieds, s'il vous plaît. Merci Bravo Québec. Alors, vous transpondrez après le toucher 70-31. 70-31 transpondeur après le toucher. Voilà, Pesna, c'est ici. Ouais. Et Montagnac est juste sur la sur le trajet. Donc tu vas tout poil dessus. Et tu y es dans 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Fois, donc je vous rappelle pour plus haut. Et tu vas à une vitesse de 105 mètres de pied en route de la Pistalago. Sol. Sol. Ah, t'es à 200, donc là t'es un peu moins. T'as un peu moins de. T'es à 100. Oui, on manque, non, c'est ça. T'es à 110. Ouais. 200, t'es à peu près à 110. À part remarque, les éoliennes nous le disent, non? Oui. Quoique. Non. Donc je dois monter 2500 pieds approuvés. Tout dépend. Tout dépend. Ouais. Est-ce qu'elles sont toujours orientées Ouais, je crois que ça, justement la tête elle tourne. Oui, la tête tourne, ça c'est super. Bah, ça a l'air de correspondre, hein, regarde, 300. Par tête. Bravo Echo Hotel Oscar Goodale, line up and retry the left clear for takeoff. Wind is calm, left turn after departure. Okay, Echo Hotel Oscar Goodale, Fox, Zulu 2 fois, vous pouvez monter 2500 pieds maintenant. Fox, Zulu 2 fois, on prend 2500 pieds. Fox, Bravo Québec, vertical, ça a whisky 1000 pieds, possibilité SM. Possibilité d'intégrer le début de l'intérieur de front gauche pour en toucher. Fox Bravo Québec, rejoignez une base main gauche puis de front gauche. T'as remporté la carte avec toi? Pardon? T'as remporté la carte avec toi? Oui. Rejoignez une base main gauche puis de front gauche pour en toucher. Je rejoins la base gauche pour une front gauche pour en toucher. Fox Bravo Québec. Ça c'est Villevarac? Oui, absolument. Tour de Fossé Comaille, rebonjour. C'est correct, bonjour, je rappelle. D'après les éoliennes, c'est ça, il n'y a pas de problème, on est toujours bien là. Ah oui, alors là... Arrête, hein. Ah ben quand tu passes le col ici, ouais. Le rack, c'est toutes les turbulences de... Alors c'est pas les turbulences des éoliennes, c'est carrément les turbulences du col. Du col. Ouais. Là, parfois je me suis fait bousculer sérieux dans le col. Là. Ah ouais, ouais. À la fois, on était venu aussi avec le Sportstar, justement. Ouais. Dès qu'on passait ici, là, bon. Tu restes plutôt à 2004 que. Non, c'est pas 2005. Ça, 2004-2005. Ok. Hôtel Oscar, claim 2500 feet. Hôtel
modèle Oscar Climate 2500. Donc c'est commun qu'à le niveau puisse se prendre gauche et attendez. Gauche en avant, prochain point. Le Borac, tu le vois pas sur la carte en fait. Oh, on le voit très mal. Ouais. Oui, il est indiqué par là, le Borac. Il est en rouge, je crois. Hotel Oscar, do you read me? Hotel Oscar, go ahead. Hotel Oscar, turn right to Sierra Whiskey, stay line side, traffic, 1500 position, 500 feet above. Les éoliennes sont là, du coup, c'est ça, là, qu'on vient de passer à droite. Ouais, voilà. You are going to east, so turn right, Sierra Whiskey, stay line side. Hotel Oscar, we have the traffic inside. Ouais, c'est ça. Donc, hôtel Lima et Comac, piste 30 gauche, autoroute des décollages, devant les cams, rappelez, maintenez l'axe de piste à travers. Il y en a qui Québec, tombe gauche pour toucher piste 30 gauche. Par le Québec, numéro 1, rappelez final 30 gauche, on était à 28 au départ. Numéro 1, en tunnel, rappel final, et sur le terrain, tu t'en départ. Donc, Hotel Delta, Niabuavo, for higher, contact approach 131.055, roulez. Contact, montez l'approche 131.055, goodbye. Voilà. Bah, l'autoroute est devant toi, tu la vois l'autoroute? Ouais. Voilà, bah, Montagnac, ça doit être ça, là. Ah là, tu vois, je pense. Oiseau. Faut pour Québec, numéro 1, en finale 30 gauche. Alors déjà on peut s'en vite, hein. Attends, ils s'attaquent pas. Hein. Et c'est comme avec la vélo, là. Piste, contacter la tour 118 et décimale 775, avant. Putain, la pique avec la piste, avec la tour 118 et 775. Ouais, donc, piste bravo Québec, piste 30 gauche autour des touchés, le vent est calme, virage à gauche, après vol et 78-31 en transfondeur. Attends. Autour des touchés, 30 gauche, 78-31 après le toucher, en transfondeur. D'accord. Est-ce que tu reconnais Montagnac? Non, contrôlé, 30 gauche, 78 à 50 avant. Ça va nous aider ça. Hotel Oscar, Hotel Oscar, reported overhead 77. Hotel, c'est normal, média. Normal, ça c'est rien contrôlé. Transfondeur 7000, vous pouvez quitter la fréquence, à tout à l'heure. Transfondeur 7000, on quitte la fréquence, ça c'est normal, média. Ouais, regarde la fréquence. Ouais. Donc ça, c'est les roues. Vous voulez pas passer à 32? Tout à fait. D'accord. Il y a les roues qui passent là, devant. Bah, c'est ça, Montagnac. S-classe. C'est juste là. Bah, Sierra, vous êtes sur 118, le village que t'as là, là. Oui. Avec le château d'eau. C'est juste c'est quoi ça? Usclas, là où il y a ma mère. On va faire un tour. Là, regarde la piste de Pesna, ça va être devant toi. L'ex-piste de Pesna. Je vois pas. Ouais, globalement, t'as une espèce de truc avec une carrière. Et après, t'as un bâtiment blanc sur une espèce de. Ah oui, ça y est, je vois. Marron clair, d'accord. Bah, c'est le marron clair, c'est la piste. D'accord. Allez, on se calme. Alors, est-ce que c'est bien le bon château d'eau? Oui, non, mais c'est ça. Alors, haut à Polan. Je peux passer à droite, histoire que je vois un peu mieux. Vas-y, vas-y. Voilà, bah, tu descends un peu, allez, pas de problème. Tu fais... Tu peux descendre à 1005. Ah, mais t'es en non contrôlé, tu fais ce que tu veux. T'es en G, là. C'est pas évident à reconnaître du haut. Ok, donc là, il y a un. Et maman, elle est... Maman. Juste là. Bah, on l'appelle. Coucou, maman. Tu veux prendre les commandes? Bah vas-y. Attends, j'appelle. Appelle. Attends. J'ai perdu la maison. Ah oui, ça y est, je le vois là. Elle est à gauche.
Exactement. Allô.
en général, sur l'eau, bah, il y a beaucoup moins de thermique, donc on est moins merdé. Avec le vol thermique, c'est beaucoup plus calme. Autant, c'est quand il y a Eco-Papas, Coq 7, 0, autant le vent s'accélère lorsque l'on est sur la mer, il a tendance à s'accélérer. Autant, c'est beaucoup plus calme. Turbulence. Parce qu'en fait, le vent est linéaire, il n'y a pas de thermique sur la mer. Ça n'existe pas. Super. Est-ce que c'est beau? Ouais. Seulement que quand j'étais en Afrique, quand de toute façon il fallait faire toujours un plan de vol, même quand tu sortais de cette mer, parce que c'était considéré comme zone inhospitalière. Et lorsque tu te baladais comme ça, il fallait tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, appeler le contrôle et leur dire opération normale. Ah ouais? Opération normale? Opération normale. Et si tu le faisais pas, il te rappelait le mec. Et te demandait. Je signale un ULM secteur 7 Sierra Fox qui garde 1000 pieds maximum que j'ai pas au radar, il a pas de transpondeur. Donc tu relais. C'est à moi ça? Ah, il y a un faux reçu. Reçu un faux trafic, Fox, non, bien. Sur 7, pour qu'est-ce que c'est? Sur 7, on a 2000 pieds. SM 34, donc on a subi un faux ULM et vous pouvez quitter la fréquence, ça va? Je crois que ça fera tout à l'heure. Et quand je suis revenu voler l'été, tu vois, quand je venais voler à La Rochelle, une fois, c'était les premières fois que je venais voler à La Rochelle. Et moi, je me baladais côté au-dessus de l'île de Ré, tu vois. Ouais. Et j'étais pas très loin de la CTR, je sortais juste de la CTR de La Rochelle. Du coup, t'appelais ? Et moi, je rappelle le mec en disant... Tout va bien. Vertical Saint-Martin de Ré, opération normale. Et le mec, il me demande, quelle opération ? Je vole quoi. Tu t'en fous, ça t'intéresse pas. C'est à peu près ce qu'il m'a répondu. Atterrissage si cher à Béziers, on dirait plus souvent. J'ai jamais atterri à Béziers. Bah faut que je le fasse une fois quand même. Bah, c'est. Histoire de voir le truc quoi. Ah ouais, mais ils ont qu'à faire des taxes d'atterrissage pour les voisins qui soient convenables quoi, pour n'importe quoi. Non, mais... Faut au moins faire l'approche quoi. Alors tu peux faire l'approche, rien ne t'empêche de le faire. Mais le truc c'est de ne pas. Pas toucher quoi. Ah voilà. Donc tu fais des remises de gaz, tu touches pas. Oh mais c'est gonflant quoi. Pour les voisins, ça serait un peu bien. C'est comme Nîmes, c'est pareil. Nîmes, c'est cher aussi. Bon. C'est de la folie.
pour ça qu'on ne va jamais à Garon. On va à Courbesac. Courbesac, c'est zéro. Là où c'est lequel, celui-là, c'est celui qui est au nord de Nîmes, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un terrain qui est un peu mariole, qui est un peu technique. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, il est technique. Ah oui, complètement. Ah, je sais bien, ouais. Parce que lui, il est, quand tu décolles plein nord, parce que c'est 1836, et quand tu décolles plein nord, t'as la colline en face, mais t'as vraiment la colline en face. D'accord. Et quand tu fais ta montée, bah, t'as l'impression d'être toujours près du sol. Avec les roues dans les sapins, quoi. Pourtant, tu montes. Je commence à descendre à 1005. Ok. Face, ouais, qui va arriver légèrement de la gauche. Comme ça. Vous avez vu 300 mètres, ouais. C'est ça. On peut les voir du Fox Zulu de Fort, rebonjour. Fox Zulu de Fort, rebonjour, ce sera pour un complet sur gauche. Fox Zulu de Fort, ce sera un retour qui sera jusqu'aux installations et probablement une prolongation jusqu'à Alpha Mike, suivi d'un complet sur la secondaire. Fox Zulu de Fort, appelez Sierra Whisky 1500 pieds. Fox Zulu de Fort, on garde 1500 pieds, on vous rappelle Sierra Whisky. Là, je commence à s'encombrer doucement. Doucement. Bon, alors rappelle-toi. Rappelle-toi, un vol en local, retour de vol en campagne, retour de nav, égal atterrissage foireux. Alors, on fait très attention et on se concentre. Ouais. Ok. Alors, 1000 pieds, hop là, je descends 2000 tours. Jamais. La réchaud carbu, la pompe électrique, l'atterrissage, j'attends d'être dans l'arc blanc. 8, voilà, et je mets un cran de volet. Bon, il y a la carte. Oh. Hop. On est bon, ouais, ok. S, on reste à 2000. Ok, oh. On a la piste. Retour de nav, atterrissage foireux. Oh. C'est rassurant. Non, un retour de nav. Il y a l'atterrissage foireux.
faut faire très attention. Faut se concentrer. Okay. Comme pour un tour de piste, pareil. Okay. Annonce ta base. J'annonce ma base. Ouais. Fox Normandie Dior, on passe de main gauche pour appuyer 30 gauche. Fox Normandie Dior, appuyer 30 gauche, autorisé atterrissage, vent 180 degrés, 5 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 30 gauche, Fox Normandie Dior. Ah, au sol, devant une queue. Très faible. Non, c'est bon, continue. Ok. Annonce. J'annonce ma finale, quoi. Ah, oui. Ok. Fox India Juliette en finale, piste 30 gauche. Et vu qu'il m'est autorisé. Fox Nord, vous direz, vous êtes déjà autorisé le 2580 degrés. D'accord. Autorisé, tarifage 30 gauche, Fox Nord, vous direz. Ah, oui, t'avais déjà autorisé, mais bon. Ouais. Ça mange pas de pain, quoi. Absolument. Surtout qu'il y a personne. Voilà. Allez, on réduit un peu vitesse. Ok, on coupe tout. Hop. Et change de trajectoire. Change de trajectoire. Hop. Et on l'empêche de poser. Allez, on l'empêche. Voilà. Hop là. Ah ouais, non, on peut l'empêcher. Ah. C'est bon. Ok. Bon. Rebond quand même. Ah ouais, il y a du vent de cul, alors automatiquement ça te. La vitesse sort un petit peu plus rapide que d'habitude. Oui. Fox, c'est bon, on dit à contacter le sol, le 121 du mal 955, au revoir. On passe avec le sol de Fox, non, on dit au revoir.